pas mal. J'avoue, je suis pas une grande fan du Beaujolais nouveau. Hein. C'est pas mal du tout. Tout sur le fruit. Il n'y a pas de goût de banane. Ça, c'est déjà bien. C'est surtout framboise cassis. Mais c'est vraiment très bon. C'est pas, c'est rond, c'est long. Il y a tout ce qu'il faut. Une belle couleur. C'est un beau millésime. L'idée a été partie des États-Unis. Après, c'est du bœuf qui a repris le flambeau. On a envie de faire. Ça coule, c'est la bouchette. Oui. Même si. Donc, tiens, ça va? Comment ça va? C'est violent. Hein. C'est pas des tomes. Hein. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas mal, hein? Ouais. C'est très bon, hein? C'est mieux que l'année dernière. C'est mieux? Oui, c'est l'année dernière, c'est pas terrible. Oh, justement, c'est la tradition, c'est le folklore, c'est la France, hein? La France, c'est comme ça, hein? Il y a le Beaujolais, après il y a autre chose, et puis voilà. Il a goût de vin, il a pas goût de banane, de cassis. Bah une fête, une bonne fête quand même. Et pour les bons vivants, faut déguster de temps en temps la charcuterie, le Beaujolais, tous les vins de toute façon. Il est, pour moi, il est très bien. Il y a peut-être mieux, c'est possible, mais il est très très bien. Très bon, très doux, c'est vrai. C'est le petit arrière-goût très fruité, c'est vrai. Donc pour moi, il est parfait. Maintenant, est-ce que ça plaît à tout le monde? C'est autre chose. Il est très clair. Voilà. Mais il l'avait dit ce matin. Beaucoup de soleil.